Hello, donc aujourd'hui on est mercredi et je vais aller voir Fanny. Il est déjà à peu près 4h de l'après-midi. Je vais vous expliquer pourquoi je la retrouve assez tard. Parce qu'en fait, donc ce matin j'ai travaillé sur pas mal de choses. Et puis j'ai rangé ma chambre parce que peut y avoir des gens qui peuvent arriver à tout moment pour voir ma chambre. Et du coup j'aime bien que ce soit bien propre, etc. Donc j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé les toilettes, et tout et tout, la douche, machin. Donc voilà, j'ai aéré beaucoup aussi. Et là donc il est à peu près 4h et je vais aller voir Fanny. Pas très loin de chez moi en fait, à Sangsu. Donc c'est pas très loin, donc je pense que je vais y aller à pied parce que ça me met à peu près entre 20 et 30 minutes. Enfin, je pense plutôt 20 d'ailleurs, mais on ne sait pas, hein, voilà, avec les imprévus. Bref, je vais aller la retrouver parce que ce soir elle dort chez moi et demain matin en fait on part en voyage à Taegu. Donc ça va être super cool. Je sais pas ce que je vais faire comme vidéo, je sais pas si je vais faire une vidéo ou si je vais faire plusieurs vidéos sur Taegu. Mais voilà, en tout cas c'est notre dernier voyage toutes les deux et on va bien profiter et bien rigoler, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas donc voilà, aujourd'hui je voulais lui présenter un de mes cafés préférés qui s'appelle Onion. S'appelle Oignon, oui, mais ils font des pains là-bas mais magnifiquement délicieux, donc voilà, je voulais absolument lui montrer là. Et puis en plus c'est une vieille usine, etc. Et j'adore moi tout ce qui est vieille usine, délabrée, tout ça, j'adore. Donc voilà, c'est en fait une vieille usine qui a été réhabilitée. Et en fin de compte c'est un café. C'est un de mes cafés préférés sur Séoul. Donc voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir lui présenter. Et sans plus attendre, bah je vais y aller. C'est parti. Donc on est à Onion avec Fanny. Onion. Qui prend mon jus de carotte, oui, qui est Instagram. Très bon d'ailleurs, tu peux goûter si il tu veux. Il est très instagrammable ton jus de carotte. C'est très très bon. J'aime beaucoup, c'est très beau. Voilà, donc on a pris ça. Donc si vous aimez les bons pains et les bons jus de carotte, et ça n'a même pas le goût de carotte en fait, c'est pour ça que je l'aime. Parce que moi j'aime pas trop le goût de carotte, mais là c'est tellement bien fait que c'est trop bon. Et si vous aimez ça, et bah, je vous recommande Onion. C'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais goûté de ma vie. Surtout les petits pains comme ça, là, les pains de pizza. Là. Mouah. Donc voilà, et après on va aller à Telim Tianko. En fait, tu me fais un city tour de tes trucs. Et... voilà. C'est tout. On est sur la terrasse. Voilà. Il fait beau, franchement ça va. Pas très froid. Il fait pas non plus magnifiquement beau, mais bon, c'est mieux que rien. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles, design. Yay! Alors on a dévoré les... à cette photo. Les trucs. Oui. Et on en veut encore. Encore. Oui. Enfin, moi. Donc on va prendre un petit OOTD et puis on va aller à Telim Tianko. C'est tout. On est à Telim Tianko. Alors Fanny, qu'est-ce que tu en penses? C'est très sympathique, c'est très artistique, c'est très arté. Voilà, c'est très arté. J'aime beaucoup, c'est très beau. Bon bah de toute façon, si vous connaissez ma chaîne, vous l'avez vu sûrement plusieurs fois, hein, de toute façon. Un
industriel. J'adore les trucs industriels. Je suis fan de tout ce qui est industriel. Voilà, c'était le petit quart d'heure architecture. Évidemment, là, on voit mes affaires et ça me fait chier de les enlever. Voilà Fanny qui fait Instagram. Attends, j'ai quand même envie de... Cette table m'inspire énormément. Regardez là. Regardez. C'est Justine qui m'a appris ça. Oui, non mais bon, elles vont être froides hein, après. Oh, c'est pas ta goulue. On est chez moi avec Fanny, on regarde chez mon foie. Et on mange ça. Oui. Du saumon et des fraises et des petits raisins. La folie du poisson, s'il te plaît. Bon appétit. Mais si c'est. Bah, de toute façon. J'ai lu que c'était les cafards, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Franchement, les cafards, c'est on pas. On prend pas pour une folle, bah non, c'est pas insolite. Ah, calmez-vous, calmez-vous. Ah!